Coupe du monde féminine 2023, eh bien jeudi samedi nous connaissons sélection haïtienne. Grenadier yo qui était en bataille contre équipe Angleterre. Malgré pays nous perdit un grand goal à 0, eh bien c'est équipe anglaise là qui bat Haïti. Un grand goal à 0, eh bien ça pas empêché nous jouer un bel match face à équipe anglaise ça nous connaît qui vraiment connaît le football. Malgré ça, nous vraiment féliciter Kelitéus qui vraiment réalisé yon affaire de 10 arrêts décisifs dans match face à l'équipe Angleterre. Un match exceptionnel, extraordinaire, remarquable de la gardienne haïtienne à la Coupe du Monde féminine. Eh bien, qui ça? Mérilia Mondesi, lui-même n'y pas parlé, mais nous voulons parler de numéro 6 nous, hein, et Coventina Didi Monet. Li parle après match football ça, li fait connait malgré yo perdu yo fier de match yo joué a. C'est vrai yo perdu yon grand goal à 0, mais yo pral faire tout ça dépend de yo et bien des matchs yo était pour joué face à équipe la Chine et face à équipe Danemark là, et bien yo pral voir qui ça capable porter même genre sélection Argentine li même était perdu dans Coupe du monde Qatar premier match li, ça pas d'empêcher la champion. Et bien c'est même genre Grenadier eux-mêmes il a continué motivé pour voir si au capable faire au moins 6 points sur 9 là malgré nous étant perdu à 3 points. Et bien ça pas empêcher pour nous qualifier et bien nous croit dans qualification haïtienne yo mesdames yo qui vraiment continuer pour là motivé parce que équipe anglaise ça gain monde qui était pensé équipe anglaise était capable pas Haïti n'importe 6 ou bien 4-0 et bien Haïti lui-même li gagne. Et puis équipe Danemark là lui-même li gagne équipe la Chine yon grand goal à 0. Et bien nous pral ba ou comment classement ça lui-même li représenté. Dans groupe A, et bien c'est équipe Suisse là qui en première position avec 3 points. En deuxième nous jeune Nouvelle-Zélande qui gagne 3 points, Norvège et puis Philippines yon même yon gagne 0 points dans groupe B. Australie gagne 3 points, Canada gagne un seul point en deuxième position, et bien Australie premier, et bien Nigeria en troisième position avec un seul point, et Irlande lui-même il gagne 0 point en quatrième position. Et bien dans groupe C, c'est équipe Japon qui gagne 3 points, Espagne gagne 3 points en deuxième, Japon premier, et bien Costa Rica avec Zambia chaque gagne 0 point. Dans le groupe D, Danemark gagne 3 points, Angleterre gagne 3 points, la Chine gagne 3 points en 3e position. Et puis 4e position, c'est la sélection haïtienne qui gagne 0 points. Dans le groupe E, États-Unis lui-même il gagne, doit faire des 3 points. L'équipe Pays-Bas lui-même il peut jouer lui-même avec l'équipe Portugal, il gagne 0 points. Et puis l'équipe Vietnam, il gagne 0 points, il perd. Et bien c'est comme ça. Classement lui-même les présente ou même qui pour vous abonner avec BF Infosport dégagez vous faites ça qu'on y a et puis